Dans les albums pour enfants, nous rencontrons bien souvent des loups très féroces, des monstres dégoûtants ou des sorcières effrayantes. Et ça tombe bien, parce que les enfants adorent se faire peur. De toute façon, tout le monde a peur, alors ce n'est pas la peine d'en faire une histoire. Enfin oui, justement, on peut en faire une si on s'appelle Rascal et Pascal Lemaître et qu'on l'édite à l'école des loisirs. Alors on est bien d'accord, les filles et les garçons ont peur de l'ogre. Mais l'ogre en personne n'a-t-il pas peur du dentiste? Et sinon, quand on a peur de l'eau, on fait comment? Eh bien, on lit cet album, bien entendu. Alors, même pas peur? C'est ce que nous allons voir avec A, un cache-cache monstrueux de Clotilde Perrin, édité au Seuil. On y croise des créatures vraiment abominables. Mais peu importe, puisqu'on peut leur échapper en se cachant dans des maisons qui ressemblent à s'y méprendre à celles rencontrées dans des contes de fées bien connus. Tiens, tiens! Et puis, il y a les ogres encore. Ceux de Jean Grounas, édités aux éditions du Rouergue, par exemple. De petites créatures courent, courent, courent pour échapper à oula, oulala, quelque chose de si effrayant qu'à la fin. Purée de purée, on rigole bien. Et comment ne pas parler du très classique « Va-t'en, grand monstre vert » d'Adam Berlet, édité chez Kaléidoscope. Car le grand monstre vert a bien de grands yeux jaunes, une bouche avec des dents très très pointues et plein d'autres trucs vraiment pas très ragoûtants. Mais on peut le faire disparaître quand on veut et si on veut. Et ouais. Et pour les très très courageux, pourquoi ne pas tenter le grand livre de la peur de Thierry Dedieu, édité aux éditions Saltimbanque? Parce que oui d'accord, les fantômes ça fait bouh, mais connaissez-vous ceux qui font de quoi aider vos petits à dompter et apprivoiser leurs angoisses? Ils pourront surtout s'en amuser en découvrant ces albums que vous retrouverez dans le réseau des médiathèques de Pau.